aussi, on a des conseillers en voyage un peu partout dans la province. Et c'est avec ces groupes-là, une partie de ces groupes-là, qu'on a fait les voyages. Moi, j'ai quitté le Salvador depuis que j'étais petit, à 11 ans. Et j'ai vécu presque toute ma vie au Québec. Donc, c'était pour vous montrer c'était quoi mon pays d'origine. J'ai reçu une approche de Dorita pour devenir comme conseiller en tourisme. Mais présentement, à Montréal, moi, je suis le coordinateur d'un mouvement solidaire salvadorien. On est en train de développer le tourisme au Québec. Puis en même temps, on a un chapeau de mouvement solidaire salvadorien. Moi, je m'attends à faire avancer le dossier du recrutement de travailleurs internationaux parce qu'on a un projet du côté de Portneuf de recruter des couples. On a des technologies de production d'énergie par la biomasse, par du bois, dans le Nord, qui sera peut-être profitable pour eux. Donc, en mode exploration. Le charbon est fait à partir de la biomasse forestière. Nous autres, à charbon, on a besoin de main-d'œuvre aussi. Fait que c'est un plus, mais je te dirais que c'est plus un peu pour la région. La Libertad est un port de pêche avec un grand marché de poissons. C'est là que nous nous sommes reposés des fatigues du voyage. Le jour de notre visite était un dimanche. C'était noir de monde. Il faut dire qu'une entreprise chinoise y a aménagé un centre d'attraction. Le lendemain matin, j'ai pu constater que l'endroit était aussi un haut lieu du surf. Le deuxième jour du voyage était surtout consacré à des rencontres officielles. Ça se passait dans les locaux du ministère des Relations extérieures. Le premier à nous parler a été Gerardo Pérez, le directeur de la diaspora et du développement au sein du ministère. Así como bien dice el presidente Bukele, para el gobierno de El Salvador, la diáspora es un socio estratégico para el desarrollo de nuestro país. También los contactos que nuestros connacionales del exterior nos dan con empresas de turismo como las que están presentes ahora, es algo que nosotros como gobierno de El Salvador valoramos mucho. Y nos damos cuenta que estamos haciendo algo bien, ya que siguen regresando al país trabajando de la mano con el gobierno. Il faut savoir qu'à cause de la guerre civile qui a fait rage ici, des centaines de milliers de personnes ont quitté le pays dans les années 80. Le Québec, par exemple, a accueilli à lui seul 4600 réfugiés salvadoriens durant cette décennie. L'apport économique des salvadoriens à l'étranger est donc important pour le pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a créé une direction spéciale appelée « Diaspora et développement ». 34.500 productores. 24.500 producteurs de café ici au pays. On nous a aussi donné un portrait de la production nationale de café, basé davantage sur la qualité que sur la quantité. El 80% de nuestras exportaciones se venden con un valor agregado y con café especial.
La conversation a alors dévié sur la biomasse. Ça peut permettre à plusieurs petits villages d'avoir de la production électrique locale avec un résidu local. Chaque fois qu'on produit de l'énergie localement, surtout avec un produit qui est sans preneur ou une matière première qui est sans preneur et sans valeur, c'est qu'on enrichit localement le pays ou on s'enrichit localement parce que l'argent va rester ici à l'intérieur. On a vite compris que dans les plantations de café du Salvador, la biomasse est déjà bien valorisée. Le grain est exporté à l'état brut, sans torréfaction. On a donc peu besoin d'énergie. Il suffit de le sécher. Or, pour le séchage au soleil, le Salvador est avantagé par rapport aux autres pays producteurs. Nous séchons notre café en une époque seca. Costa Rica llueve, en Guatemala cae lluvias. Et ici, nous sommes en un verano. Comme combustible, on pourrait utiliser la pulpe du fruit, mais elle sert déjà d'engrais. Il y a aussi la cuticule qui recouvre le grain séché et qu'il faut ôter avant l'exportation. Mais elle sert au séchoir fonctionnant à la chaleur, quand le soleil ne suffit pas. Quant au bois d'émondage, lui aussi sert au séchage à la chaleur. Sans compter qu'il est utilisé par les employés des plantations, qui s'en servent pour faire cuire leurs aliments. Est-ce qu'il manque de l'électricité actuellement? Est-ce que vous en avez... Nous sommes un pays qui importe de l'électricité. Mm-hmm. Ah! Ben, pas tout le temps, il y a des pics, ouais. Mais la meilleure... ouais, nous sommes nous importons. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, il y aura une place, effectivement. Oui, effectivement. De toute façon, si aller transporter un réseau, transporter l'électricité dans des villages isolés, mm-hmm. ça coûte très cher. La distribution électrique, là, ça coûte très cher. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petits équipements qui peuvent desservir un village, mm-hmm. okay, pour qu'il soit complètement autonome, pour pas qu'il soit obligé de se brancher sur le réseau électrique national ou peu importe, d'une grande entreprise qui lui, peut décider demain matin qu'il augmente le prix du kilowatt sensiblement. C'est ça, c'est vrai. Sans demander, hein? C'est ça, exactement. Parasecado. Acá, podría ser parasecado de alimentos. Jean-Pierre Nau a profité de la pause pour s'entretenir avec un ingénieur d'un organisme dédié au développement de technologies vertes. Se podría hacer con, si aquí en El Salvador tenemos problemas de basura, ese puede ser un... Sí, el problema es que allí... Sí hay un tema, digamos que político de por medio. La basura es un tema que siempre es manejado por las alcaldías. Por ejemplo, ya tienen cláusulas contractuales por el relleno, en este caso sanitario. Ah, c'est quelque chose, c'est la mairie. Et donc, il y a des entreprises. La poubelle ici, c'est entonces, en este momento, hay alcaldías que ya están finalizando sus contratos con el relleno. Pero ya de una vez están haciendo contratos, por ejemplo, para reciclaje. Y yo sé que hay en propuesta una incineradora. Pero aparte de eso, hay una tramitología con el medio ambiente que hay que cumplir. Entonces, ahí es donde yo lo veo. O sea, estoy convencido que la basura es una opción para poder incinerar, pero ahí está ese impasse. Actualmente tenemos 31 casas comercializadoras a nivel internacional. Le sujet suivant a été les maisons de commercialisation, un concept mis de l'avant par le gouvernement en 2019. Il s'agit de lieux de promotion des marchandises produites par les petites et les micro-entreprises salvadoriennes. Il y a 31 maisons de commercialisation dans le monde, la plupart tenues par des Salvadoriens en exil. Encore une fois, la diaspora est mise à contribution. Tenemos una fuerte vinculación con los consulados de El Salvador a nivel internacional. Le concept comprend un site web qui offre 1000 produits différents venus de 240 producteurs. L'organisatrice du voyage, Dori Canizal, est responsable d'une de ces maisons de commercialisation. Et on a un projet de faire une boutique café où est-ce qu'il va avoir des produits de la région de Portneuf, des produits des producteurs de la province de Québec et des artisans du Salvador aussi.
avec le café du Salvador. Le café, ça va être comme une place de rencontre. Le programme a commencé en octobre de 2019. Nous avons abordé ensuite la question des travailleurs migrants temporaires, ceux qui signent des contrats, par exemple de 2 ans, avec des employeurs à l'étranger. Trabajadores que vayan por un tiempo determinado a otros países. Les personnes qui veulent travailler dans un temps déterminé à autres pays. Les entreprises ont le choix soit de ralentir leurs activités ou de recruter des travailleurs étrangers. Es un registro en línea. On a appris que le ministère du Travail fait déjà une présélection des gens intéressés à aller travailler à l'extérieur du pays. Il détient une base de données de 115 000 personnes. Cette base de données permet de savoir, par exemple, le niveau d'études de chaque candidat et son expérience de travail. Et ce que je trouve intéressant, là, c'est que les candidats, les 115 000 personnes, sont beaucoup issus du milieu rural. Ça, c'est très, très bien parce que c'est la main-d'œuvre en milieu rural au Québec qui est très problématique parce que souvent les gens, s'ils connaissent mal le milieu rural, ils ne s'intègrent pas dans le milieu rural du Québec. Alain Donc, Blanchette a tout de suite vu le parti que la région de Portneuf pourrait tirer de ces informations. Une part du travail de sélection est déjà fait. Il suffirait d'arrimer la base de données salvadorienne avec celle des employeurs de Portneuf. Ellos tienen una plataforma también allá que hemos querido trabajar con ustedes para que la relación pase más fácil. Alain Blanchette a profité de l'occasion pour souligner l'intérêt d'engager des couples plutôt que des travailleurs seuls. Normalement, le conjoint bénéficie d'un permis de travail ouvert. Il peut venir avec le conjoint qui est spécialisé et obtenir un permis de travail ouvert et travailler dans un domaine non spécialisé. En terminant, la représentante du ministère du Travail a manifesté son intérêt à poursuivre la discussion. Si no es en esta misión, podemos planear algo, una reunión virtual, ¿verdad? Para conocer la plataforma que ustedes tienen elaborada y ver de qué manera podemos trabajar en ese proyecto piloto. Buenos días, bienvenidos a El Salvador. Bienvenidos a El Salvador. Les rencontres officielles se sont terminées avec la présentation d'un représentant des entreprises touristiques salvadoriennes. L'échange a beaucoup tourné autour de la façon d'adapter l'offre touristique à la clientèle québécoise. Nous voulons donner à connaître El Salvador en Québec, attirer les Québécois à El Salvador. Mais pour ça, nous nécessiterons avoir quelques ajustes en quant à l'idioma. O sea, hay que conocer la cultura canadiense para poder dar un servicio adaptado. Ese es el trabajo que estamos realizando y es el trabajo en el que necesitamos apoyo para poder formar guías turísticos, chefs, hoteles que puedan recibir a el turismo de Canadá. Nosotros con la Asociación de Tour Operadores de El Salvador podemos trabajar un tipo de paquete turístico específico para Canadá y poder ofrecerlo con atención de guías turísticos que puedan hablar el idioma francés, inglés, y que conozcan todo este tipo de detalles. Que componen específicamente el mercado o el turista, pues, de Canadá. Quise traer gente para un congreso, me dijeron, no, El Salvador es peligroso, no hay todo incluido, me pusieron un montón de barreras. Pero ¿cómo quitar esas barreras? Entonces es trabajar con ustedes mano a la mano para venir, que ustedes vengan a salones allá con nosotros, que hagamos la promoción para hacer conocer la destinación. Y ahí podemos hacer alguna especie de proyecto en conjunto. Finalement, la matinée aura été fructueuse. Elle a suscité beaucoup d'échanges et de réflexions. Moi, je suis très content de l'ouverture de la dame pour un projet pilote. Ben, c'est ça qu'on veut faire parce qu'on veut s'entendre avec le gouvernement du Canada pour pas que, mettons, on recrute un couple qui est citoyenneté immigration au Canada, dise OK, lui, on lui donne un permis de travail, mais elle, on ne lui en donne pas, puis que tu te retrouves finalement avec juste un travailleur. Puis... Donc, si on peut faire un projet pilote pour que citoyenneté immigration Canada soit déjà au courant que pour le projet Portneuf,
Salvador, c'est prioritaire, puis on ne brise pas les équations qui sont ici. Oui, puis les deux ensemble, ben, ça les conditionne à vouloir réussir quelque chose. Ben, oui, c'est ça. C'est facilitant. Le reste de la journée s'est passé au centre-ville de San Salvador. Sur la place, on préparait les décorations de Noël. Ici aussi, une entreprise chinoise investit, mais cette fois, c'est pour une bibliothèque. Sous la cathédrale, il y a le tombeau de Monseigneur Romero, un défenseur des pauvres assassiné en pleine messe en 1980. Depuis la fin de la guerre, le climat social a beaucoup changé. Nous nous sommes toujours sentis en sécurité au pays. Et visiblement, les Salvadoriens ont le goût à la fête. Nous sommes allés manger dans un restaurant cubain qui domine la place. On s'est fait justement un ami qui utilise sa biomasse, ses résidus, okay, pour produire du sucre de canne à sucre. Ouais, moi j'utilise la biomasse pour transformer le jus de canne à sucre en raw sugar. On l'appelle panela en espagnol, c'est un genre de sucre qui n'est pas, qui n'a pas un processus industriel. Qui n'est pas raffiné. Qui n'est pas raffiné. Il y a une région au centre de El Salvador qui utilise cette méthode pour faire la panela. Okay. Donc ouais, on pourrait faire des travaux avec la biomasse, ça peut être intéressant. Parce que vous le faites déjà, mais vous pensez qu'ailleurs on pourrait le faire. Ouais. Ouais. Moi je le fais, et mais on peut le faire avec des autres entreprises. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est que t'aimerais ça apporter ton produit au Canada, tu l'as aux États-Unis. Mais c'est un produit qui est presque unique. Qui est naturel. Ben, moi, je dirais que ce qu'on souhaite, c'est que la porte d'entrée pour ton produit soit à Portneuf, dans la région de Portneuf. Je pense qu'on serait bien intéressé à être capable de te propulser ailleurs, mais au Canada en passant par Portneuf. Nous avons eu le temps de visiter un hôtel avant de rejoindre le nôtre. J'en avons visité plusieurs pendant le voyage pour que nos conseillers en tourisme puissent avoir une idée de l'offre locale. La troisième journée a été consacrée à des visites touristiques et à une rencontre officielle. Première étape, Panchimalco, une petite ville dominant la capitale. Les
L'église locale est la plus ancienne du pays. Elle a été construite dans la première moitié du 17e siècle. Une de ses cloches date de 1563. Elle a été classée monument national en 1975. C'est classique espagnol baroque, n'est-ce pas? Oui. Espagnol colonial baroque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va regarder dedans. À l'intérieur, ce qui frappe, c'est l'utilisation du bois. Particulièrement au plafond. Juste à côté, un écriteau a retenu mon attention. Il y est écrit « Dans cette école, le nahuatl fleurit ». Le nahuatl, c'est la langue des Mayas d'autrefois. Comme au Québec, on tente ici de garder vivante la langue des premiers peuples. Este es uno de los primeros colegios a nivel nacional que tiene la materia del idioma náhuatl. Okay. Y yo enseño desde parvularia hasta primer ciclo. Okay. En total son 318 niños que están aprendiendo el idioma nativo. Y no solo eso, sino también están aprendiendo a conocer sus raíces, a conocer su historia, y eso permite que ellos se sientan más seguros, se quieran, y posteriormente en la vida, pues ellos se sienten orgullosos de lo que son y no entren en malos caminos. Esa es la razón fundamental para que los niños aprendan a conocer su historia. Y sé que van a seguir adelante aprendiendo y cuando sean grandes, pues van a seguir enseñando a la siguiente generación. Ah, sí, muy, muy positivo, muy bien. Un peu plus loin dans le village, nous avons fraternisé un instant avec une fabricante de tortillas, ces galettes de farine de maïs qui sont à la base de l'alimentation ici. Ça, c'est du pain pour nous. Qui d'autre veut goûter? Qui veut goûter? Puis nous sommes allés à la galerie de Miguel Ángel Ramírez, un peintre. On y donne des ateliers pour enfants. Ces toiles, par exemple, ont été faites à partir du thème « Tes ailes sont mes ailes ». Es el reflejo de todos nuestros niños. Son niños que vienen de la ciudad, son niños que vienen de acá, de la comunidad. Le jardin est particulièrement inspirant. Et comme il y a des œuvres d'artistes salvadoriens connus, les novices sont en contact avec l'art professionnel. C'est un lieu de création. On y trouve aussi l'atelier de Miguel Ángel lui-même, et plusieurs de ses œuvres. Nous sommes allés ensuite faire une promenade sur le volcan San Salvador, juste à côté de la capitale. Il culmine à près de 2000 mètres d'altitude. Sa dernière éruption a eu lieu en 1917. La réunion officielle de la journée s'est faite au siège du Conseil national de l'énergie. Elle était présidée par son secrétaire administratif, Salvador Andal. Elle a même été initiée par l'ambassadeur du Salvador au Canada, Ricardo Cisneros, qui suit notre aventure de près. J'ai dû rester à Ottawa, au Canada, de fait, parce que nous avons une rencontre avec Desjardins cette semaine. Je sais que le projet que vous avez sur la biomasse est un projet financé en partie par Desjardins. Je ne manquerai pas l'occasion d'en parler pour voir les possibilités d'investissement qu'il y a, ou de financement qu'il y aurait de leur côté. Et en tout cas, j'espère que ce sera une très belle réunion pour vous.
me tuve que quedar aquí en Ottawa. Jean-Pierre a pu passer l'essentiel de son message. Avec les coûts du pétrole qui explosent, il va avoir l'intérêt justement pour la production locale d'énergie va s'amplifier. Imaginez que si vous produisez un produit, puis vous identifiez votre produit comme ayant été fabriqué et produit avec de l'énergie locale renouvelable, c'est un plus. Notre organisation, c'est une organisation qui ne vend pas d'équipement, qui ne vend pas de combustible. Nous, c'est un organisme à but non lucratif, comme on appelle, qui n'est pas en conflit d'intérêts, qui est neutre, puis qui se veut strictement comme mission la réussite de projet en milieu rural de production d'énergie. Et on serait très en faveur éventuellement de vous aider à mettre en place dans le centre, en Amérique centrale, un centre d'expertise du genre. Ça peut être très simple, c'est pas complexe. Puis vous pourriez desservir l'Amérique centrale. Je crois que hay bastante correlación, digamos, con la política energética nacional en varios de sus objetivos. Le message cadre bien en effet avec les objectifs du gouvernement. Approvisionnement durable, consommation efficace, sécurité énergétique. Le Salvador est déjà bien avancé en matière d'énergie renouvelable. Le pays produit presque 80 % de l'énergie qu'il consomme. Et cette énergie est à 85 % renouvelable grâce à l'hydroélectricité, mais aussi à la chaleur des volcans, la géothermie, qui fournit le quart de l'énergie du pays. La biomasse en produit 11 %. Pour améliorer encore ce bilan, il resterait, entre autres, à valoriser davantage les déchets domestiques. Il y a un thème très important ici qui est de chercher la conversion de tous les résidus urbains, solides, etc., rurales, en énergie. Eso tiene que ver mucho con el proyecto o con las ideas que ustedes mencionan de utilización de la biomasa. Pour la cuisine, on pourrait remplacer une partie du bois ou du gaz propane par de la biomasse. ¿Cuál es ahora el principal combustible? Gas propano. Y lo importante, una vez más, de eléctricas. Gas propano. Y leña se va reduciendo. Pero desde la universidad buscamos seguir desarrollando el tema de la biomasa leña, dispositivos que puedan utilizar más eficientemente la leña. Et puis il y a toute la question des villages éloignés. Je me souviens d'avoir vu un reportage à la télévision où on montrait des gens qui transportaient sur des routes très difficiles de l'essence pour alimenter les génératrices de petits villages éloignés. Et je me disais, lorsque je regardais le reportage, que s'ils pouvaient disposer d'une petite centrale à la biomasse qui produit de l'électricité, ils seraient beaucoup plus autonomes et ils auraient plus à faire transporter de l'essence dans le village pour produire de l'électricité. Bref, la discussion n'a pas mené à un projet concret de collaboration, mais l'avenir semble prometteur et la porte est ouverte à d'autres discussions. Il faudra avancer pas à pas. Je quisiera tener tranvías, buses eléctricos, bicicletas, scooters, pero la cultura es diferente. Entonces necesitamos trabajar en proyectos pequeños para ir familiarizando paulatinamente a la población.